Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 19 mai 2015. Bon, les marchés sont plus ou moins stables. On a moins 3 sur Nasdaq, plus 23 sur New York et 4 points sur Toronto. Aujourd'hui, ça a été les ressources qui ont chuté. Premièrement, à cause qu'en Europe, ils ont dit qu'ils étaient pour faire des assouplissements monétaires durant l'été. Ça a fait jumper le dollar américain en dehors de sa tendance baissière à court terme. Ça a fait chuter toutes les autres monnaies. Le Nikkei est revenu à sa résistance. Le marché de Londres, en fait, fait pas grand-chose. Le marché de Nasdaq est confronté à... le marché de Chine fait pas grand-chose. Le marché de Londres est confronté à la même résistance des trois derniers jours. Et le marché américain est totalement sur son haut. Pas vraiment le Nasdaq. Le Nasdaq est légèrement en baisse, pas beaucoup. Le Dow Jones, puis le TSX, ça fait... C'est pas des gros mouvements. Up and down, on sent que le marché est nerveux, mais pas plus que ça. C'est ça, là, qui parlait qu'ils vont faire de l'assouplissement monétaire. Il y a quelques résultats financiers. Home Depot qui était en hausse, maintenant en baisse. Dick's Sporting Goods qui était en baisse, maintenant qui baisse moins. Donc, c'est juste de la volatilité. Agilent descendait, maintenant il descend plus. Et il y a juste Walmart qui avait eu 2 cents de moins à 1,03 $, qui lui est en chute en direction de son support. Yingling en a mangé toute une ce matin, est en baisse de 42% à cause de crainte de solvabilité. Puis MBIA annonce une deuxième émission de 27 millions d'actions, ça fait qu'il tombe aussi. Turquoise Hill était fortement en hausse ce matin. La nouvelle, c'est que le gouvernement mongol s'est entendu pour redémarrer le développement de leur mine Yugi-Tolgi et qui est détenu à 66% par Turquoise Hill. Ça ouvre la porte à des investissements de 4 milliards pour finaliser le financement du projet ainsi qu'une étude de faisabilité. PLI signe une entente de fabrication à long terme avec Emergent BioSolution qui produira jusqu'à 250 000 litres par année de produits dérivés du plasma. Prométhique débutera le transfert technologique de leur usine en juillet et la production commencera à l'échelle manufacturière en 2015.
Ils disent un transfert en juillet, mais début de production en 2015 aussi. Donc, ça devrait prendre une couple de mois. Imperial Metal était en forte chute ce matin, mais je voyais ça comme une baisse temporaire à cause que ils ont prouvé un accord d'emprunter 30 millions. Donc, ça faisait chuter le titre à cause de dilution et tout ça. La compagnie aurait des problèmes, puis ça, ben, ça va augmenter leur endettement, qu'ils disent. Mais c'est sûr parce que c'est un prêt. Storm Resources annonce un financement à 4,55, puis il est à 4,56. Zenyatta, il était en hausse ce matin, maintenant il est en baisse. Ça, c'est la compagnie de graphite. Là. Il annonce des résultats positifs sur le test de graphite qui confirme, sur un de ses tests de graphite, qui confirme de plus en plus l'utilisation de son graphite pour une application de poudre métallurgique. Mais c'est pas clair, la nouvelle. C'est des tests positifs que ça peut être utilisé, mais est-ce que c'est utilisé? Ça, c'est la question qu'on se pose. Pour l'instant, s'il repartait à la hausse, il serait en accélération de tendance. Puis Amaya, ben, c'est que, vous savez, c'est qui Amaya? C'est une société de jeux en ligne cotée à Londres et qui ont leur bureau à Montréal. Ils ont acheté Full Tilt Poker et PokerStar.com en 2011, je sais plus quelle année qu'ils ont acheté. En tout cas, ça fait pas très longtemps. Et puis là, ben, ils veulent acquérir Bwin Party, qui est le plus gros, je pense, aux États-Unis, pour essayer de contrecarrer une rivale qui s'appelle 888 Holding. Donc, c'est la bataille entre les deux pour acquérir Bwin. Et il fait du surplace. Amaya est encore en hausse aujourd'hui, mais il est un peu coincé dans sa grosse formation neutre. Là. Allons-y d'abord avec notre pétrole qui était en baisse ce matin sur son support à l'ouverture et qui a continué à baisser. On va le mettre en minutes ici. Donc, vous voyez, il a ouvert ici, il a descendu un bon bout de temps cet avant-midi. Maintenant, là, il est complètement neutre. Donc, on s'attend à une nouvelle direction. On a eu une tendance baissière, une tendance neutre. Maintenant, on attend la prochaine. Et le gaz était en hausse aussi ce matin, juste pour vous dire comment c'est volatile. Maintenant, il est en baisse et les titres d'énergie sont toujours en baisse aussi après un rebond jeudi. Donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là-dedans, là, on a un signal baissier à très court terme de Vermillon qui est à côté sur son support ou presque très important. Cameco est en forte chute. Il y a beaucoup de titres qui menacent des supports, donc c'est soit une faiblesse, soit à la veille, en s'entendant, ça peut être plusieurs jours, d'un décrochage. On a dans le genre de Nuvista ici qui a passé son support, Cenovus à côté sur support, donc beaucoup de titres menacent de traverser le support. Suncor en est un autre. Du côté minier, on menace le support aussi. Donc, le secteur qui n'a toujours pas traversé, là, mais le secteur qui semblait prêt à une accélération de sa tendance, pour le moment, on a un frein sur ça. Turquoise a une chance qui est en hausse parce que Lundin, lui, montre un signal baissier à très court terme sur tout nouveau bas et Hot Bay aussi. Donc, s'il fallait que les titres miniers accélèrent, Tech il est déjà en cycle baissier, va toucher son support bientôt. Quand même beaucoup de volatilité dans Tech, hein. C'est toujours plusieurs dollars ces mouvements. Shearit, lui, est en chute. Donc, rien ne va plus là, du côté des ressources avec la poussée du dollar américain. L'or qui a chuté, inversant son cycle haussier. Je vais vous le mettre sur une plus longue période, vous allez voir comment c'est clair ici. C'est qu'on a décroché ce matin en dessous du support, puis encore une fois, donc, puis il y a d'autres mouvements à venir pour la journée, fort probablement. Il faut dire que les titres sont un peu moins faibles que le métal lui-même, parce que le métal est revenu déjà à presque la moitié de son mouvement, tandis que les orifères ont même décollé en haut ce matin à l'ouverture, pour finalement, là, maintenant, être à côté sur leur support à long terme. Donc, sur leur support à court terme, je veux dire. Donc, on peut dire que les titres demeurent un peu plus forts que le métal. Il ne semble pas avoir de panique, là, du côté des orifères.
Bon, regardez comment ça se passe. Le marché du Nasdaq qui a ouvert un peu en hausse maintenant se fait des petits sommets, là, comme ça. Il n'est pas très positif. Le Dow Jones, lui, a bien essayé et est allé en baisse. Après ça, c'est la troisième fois qu'il revient à ce niveau-là depuis hier. Donc, je pourrais penser que le reste de la journée va se faire en bas ici, là, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va pousser les marchés. On est vraiment sur un nouveau haut. Le TSX, lui, a fait un peu toutes sortes de choses, en hausse à l'ouverture, en baisse pas longtemps après. Après ça, un cycle haussier et baissier, on est revenu au point pratiquement neutre. Donc, les pétrolières, comme vous pouvez le constater sur ces graphiques-là ici, les pétrolières sont en baisse, les minières sont en baisse, les orifères, les industriels. La consommation discrétionnaire et la consommation de base aidaient un peu la cause du marché ce matin, mais la consommation discrétionaire tend à vouloir revenir et la consommation de base aussi. D'ailleurs, la plupart des secteurs sont en train de plafonner. On ne voit pas vraiment de grosses vagues là, d'acheteurs sur le marché, malgré la forte hausse du marché américain. On va regarder ici un petit peu les volumes, moi, pour voir sur le doigt. C'est ce que je suspectais. Regardez le QQQ, les volumes commençaient faibles sur la hausse, le SPY aussi. Donc, ça sent le sommet, mais c'est le marché qui va nous le dire. Pour l'instant, je trouve que le marché est quand même bon. Puis tout ça, ça monte sur l'annonce du plan d'assouplissement pendant l'été en Europe. On va vous. Est-ce qu'il restait des questions sur la tablette? Je ne pense pas. Hein? On va ouvrir la barre de questions pour les gens qui écoutent l'émission. Et puis, on va faire le tour de quelques secteurs ici à Toronto avec une petite mise à jour. Est-ce qu'on ouvre la barre de questions? Je vais voir l'état des secteurs à Toronto. Bon, l'or s'est arrêté pour l'instant, là. On va aller voir ici. Bon, le gaz, depuis son ouverture ce matin, là, 2, 3, 4, 5, on est en train de faire le sixième cycle baissier. C'est assez malade, hein, un peu. Bon, puis là, le pétrole, ça fait une tentative à la hausse, ça va peut-être aider. Mais les autres, l'or et l'argent et les argentifères, là, bouh, ça va pas trop. Il y a eu de la on dirait que c'était pour faire contrepoids sur le marché. Les services financiers ont été volatiles à l'ouverture, en hausse, en baisse. Après ça, pouf, un gros cycle, suivi d'un autre. On dirait que les institutions savent pas trop où aller. Oh tiens, j'ai déjà des questions ici de rentrée. Une de Bernard CFP Ungo. Bon, premièrement, là, les marchés s'en reviennent à la baisse à court terme. CFP. On va aller sur le marché canadien. Canfor. Bon, ben techniquement parlant, c'est un inversement de sa tendance baissière et de sa tendance neutre, Canfor. Là, pour l'instant, on a fait deux cycles ce matin. Juste s'assurer qu'il ne reviendra pas vers les 24,75 ici, parce que après son point d'arrêt de ce matin, il inverserait son cycle. Je vais vous le montrer dans un graphique en une minute. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Donc, ce serait préférable d'attendre au moins qu'il remonte vers les 25,10. Parce qu'il pogne les 24. Tu sais, je serais tenté d'aller voir l'indice des matériaux puis de regarder les autres compagnies de bois qui. Bon, Canfor, Tembec, Canfor, Norbord, tiens, regarde, West Fraser, Timber. Ah, ils font tout ça. West Fraser, Norbord, Canfor. Bon, OK. Donc, c'est un mouvement à l'unisson du secteur. Donc, en principe, ici, c'est un début de cycle haussier. C'est 25, le creux est à 23, donc le bouton panique est à 22 et 50.
ça fait quand même un 10 %, OK? Vous comprenez qu'il y a 10 % de risque ici sur ce titre-là. Mais sur son long terme, ces creux sont quand même toutes positives. Donc, il y a des bonnes chances quand même pour un upswing appréciable. C'est CFP, puis Norbord, puis ils font toute la même chose. Que penser de RAD? Rite Aid, ça, c'est à New York, ça. Je vous reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Jack. Quoi penser de Rite Aid? Ben, c'est juste à conserver pour l'instant Rite Aid parce que on regarde comme ça, regardez sa très importante résistance ici, point où les acheteurs ont arrêté d'acheter à chaque fois. Bon, il y a juste un petit bout de la montagne là qui a dépassé ça. Donc, je sais pas, à conserver, oui, bien sûr, puisque la tendance est toujours haussière sur un long terme, mais la porte à passer ici est assez solide, là. Donc, après un point de stabilité, disons que si on le regardait sur un plus long terme, vous voyez, il est en correction, là. On a-tu 250? Oui, bon, c'est le plus long que je réussis à voir. Ça nous prendrait au moins... je sais pas, je trouve pas qu'il y a beaucoup de potentiel là, à la hausse Rite Aid avec toute cette grosse résistance-là ici. Je préférerais un bris solide là, à la hausse. Pour SLV, point d'entrée pour SLV. Bon, ben là, il vient de partir son point d'entrée. Là, il est très difficile à déterminer pour l'instant à cause de cette correction-là qu'on a eue aujourd'hui. Donc, ça rend difficile l'interprétation parce que là, ça devient juste du court terme, là, entre ici et là, pour du day trading, possiblement 16,40, 16,90. Là, il y a peut-être un 50 cents là, mais comme le cycle est inversé, c'est trop risqué. Qui repartent par là, donc sur le silver, c'est très difficile à dire. Bien de la misère à me prononcer là-dessus, on dirait que ça va continuer à la baisse. TRQ, est-ce un achat? Bon, TRQ, en théorie, regardez, tout va bien. Le côté technique et fondamental, il était déjà dans notre collimateur de toute façon. TRQ, parce qu'il avait complètement inversé sa tendance baissière des dernières années, comme on le voit ici. Puis tout dernièrement, dans ce mouvement-là, que l'on voit ici par ma flèche, bien, la tendance est toute haussière. Bon, il a jumpé sur une nouvelle ce matin. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... un décollage. J'haïs ça quand les stocks décollent sur une nouvelle comme ça, parce que c'est sûr, c'est à long terme. Là, ils ont dit que le gouvernement mongolien s'est arrangé avec eux autres, puis que ça rouvre la porte à des investissements de 4 milliards. Bon, s'ils rentrent des investissements de 4 milliards, est-ce que ça va propulser le prix à la hausse ou ça va diminuer les actions?
Il a ouvert en hausse, puis il ne fait rien que descendre depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qu'on interprète là-dedans? T'sais, si encore il aurait donné suite, mais là, on dirait que bien du monde en a profité pour prendre des profits. Je dirais que on va attendre au prochain, parce que celui-là, il est pas clair. ERF. Je voudrais bien vous donner une réponse claire, mais le marché n'est pas clair. NR+, c'est une continuité de son cycle baissier parce que c'est à cause de la fermeture d'hier sur le marché. Parce que prenez cette cote-là, vous la mettez ici, ça fait tout simplement une continuité de son cycle baissier, là. Donc, ERF et COS, achat ORF, non, pas. En tout cas, pas tant qu'il ne se sera pas stabilisé ici sur une base. Même son stochastique nous donne un autre signal baissier comme s'il était pour continuer à la baisse. C'est pas hot, cette affaire-là, là, présentement, je trouve. COS, c'est Canadian Oil Sands. Bon, dans la manière dont se conduit le pétrole, là, avec la pression à la baisse qu'on a sur les pétrolières aussi, le titre était dans une situation survendue ici. OK? Puis, au lieu de partir par en haut, il est parti par en bas, donnant un signal baissier ici. OK? Donc, il était survendu là. Il a donné un signal baissier ici. Puis là, il est encore à côté là. Puis ici, il se retrouve totalement en tendance baissière s'il décroche. Je pense qu'on devrait être patient un peu. Surtout, lui aussi, il redonne un signal négatif sur son stochastique. YFI demande DOM. Ah, ben ça, c'est pas mal plus beau, hein? C'est un titre sur croissance, mais qui est quand même très actif. On va vérifier si son volume... Ah, c'est du volume soutenu, hein? On peut bien le voir là, dans son intra-séance. Ben, son dernier signal, ses signaux les plus évidents, ça a été ici, 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 ici et ici. Là, on est... C'est fermé hier, là. On est comme la deuxième journée, mais son creux était à 27. Là, il est rendu à 41. Pour l'instant, vous voyez, le point de sortie serait 25. Ça fait qu'il y a quand même un gros différentiel entre les deux, un peu avancé le mouvement. Mais la compagnie et le graphique est très positif. Les plus gros volumes de son histoire, Edgewater Wireless System, c'est juste qu'il est un petit peu avancé dans son signal. Mais est-ce que c'est positif? Oui, c'est très positif. Mais il y a des grosses chances que d'après la grosseur de ses autres cycles, qu'il soit presque rendu déjà au bout de ce cycle-là. Donc, dans son couloir, OK? On est un petit peu avancé comme signal. RGSE, qu'est-ce qui arrive avec RGSE? Bon, on va aller voir ça. RGSE. Wow! Real Good Solar, ça ressemble à une consolidation, ça. Est-ce qu'il y a eu une consolidation sur Real Good Solar? Bon, on va vérifier ça pour vous, parce que j'ai peine à croire que c'est une vraie hausse. Là. Le stock était en pleine chute. Il n'y a même pas de gros volume d'augmenter là-dessus. C'est comme si on avait... quatre. Combien? C'est 1 pour 20. Il y a eu une consolidation 1 pour 20. Donc, tiens, je vais le faire ici. Je me mets là, juste avant le changement. Donc, c'est 1 pour 20. Hey. Non, 19, 20. Ça fait que je vais multiplier les prix par 20 en arrière. Donc, 1 pour 20 à partir du 15 du 5. Clic. Un coût arrangé, c'est ça que ça vaut. Donc, vous avez des actions à 3 et 4. Si vous en possédez, là, vous avez des actions à 3 et 4, mais vous en possédez 20 fois moins qu'avant. Donc, c'est ça qui se passe. Consolidation. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. C'est quand même assez drôle la situation des marchés ce matin qui diffèrent d'une à l'autre. On peut voir que le Dow Jones a été plus fort que le SPY, parce que le SPY a des sommets tout égaux ce matin. Et puis les creux sont pas si abrupts que ça. En tout cas, c'est un peu. On voit bien que le marché est coincé, c'est pas au trou où aller. Là, ça descend là, dans le moment ici, mais difficile de dire bon, ça va donner quoi? Ça va être où ça? Je pense, moi, que le marché va finir plus bas qu'il est là, mais de combien, par exemple, ça c'est difficile, puis c'est bien juste une opinion. Bon, RGSA, c'est réglé, ça, on va aller... c'est drôle, hein? Personne n'a posé de questions sur PLI à matin, d'habitude, on se fait bombarder. Donc, probablement que les gens sont au courant. Que pensez-vous de FO? Au Falcon Oil, il y a vraiment un beau mouvement. Il y a eu des gros volumes sur Falcon Oil. Et puis là, il s'est stabilisé, ses volumes diminuent. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de vendeur. Il y a eu un petit peu ici, une affaire de rien, là. Donc, il y a un prix de sortie 16 cents, là, pour l'instant. Mais à 19, il se comporte très bien dans le moment. On dirait bien qu'il se prépare à une autre envolée. Qu'est-ce qu'il fait, je sais, Falcon Oil, je ne sais plus. Mais après son mouvement de stabilité, là, on va essayer de voir si on peut le voir en 15 minutes. Tu vois, et là, son mouvement de stabilité, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc, prochain élan, 21 cents. Si vous en aviez en bas, bien, si on considère qu'à 100 % de profit, vous devriez prendre des profits. Mais à 21 cents serait le prochain signal haussier. Plug. Bon, PVLUG. Plof. Bon, Plug, qui a un super support sur son long terme dans un graphique de 5 ans. Sur un graphique d'un an aussi, il y a un support super support. Voyons, j'ai de la misère, excusez-moi. J'ai un super support. Et puis, donc, là, pour l'instant, c'est vraiment sa sortie entre les deux. Mais regardez, il n'y a rien de sérieux. Le volume n'est pas fort. Il a décollé un petit peu ce matin, mais le volume est resté bien faible. Je pense que... Il faut même le premier mouvement, j'aurais un petit doute dessus, à moins qu'il se fasse vraiment sur des gros volumes. Reprise à la hausse, PJC.A. Demande Alain. C'est un creux, là. C'est un creux. C'est-à-dire, il y avait son creux ici. Puis là, ben, il est déjà arrivé à en suracheter, puis il n'est pas encore passé. Donc, je ne l'achèterai pas là. Mais dans le cas d'un inversement de sa tendance, où je dirais, OK, ici, dans le 23,75, ce serait peut-être un petit peu moins risqué. ORT, il ne se passe pas grand-chose. Il est bien calme sur son support à long terme de 25 cents. Il ne se passe pas grand-chose. Achat bientôt, s'il décolle. BAA à 46 cents. Benro, OK, hein? 46 cents à 46 cents ce matin, je garde. OK, qu'est-ce qui vous a fait acheter ça un matin à 46 cents? Son décollage était ici, là, vous l'avez acheté à 50 % de gain par rapport à son décollage. Là, c'est dur. Là, vous faites un trade qui n'est pas un très beau trade, Jeanne, et là, vous me dites, je garde. Aïe. C'est dur de répondre à des questions comme ça. Si vous me dites, OK, c'est où qu'on aurait dû l'acheter? Bien, c'était dans son décollage. Là, on n'aurait pas dû l'acheter là. Mais si je vous dis de le vendre puis il continue encore 2-3 jours, moi, je l'ai vu comme un stock fort. Fait que c'est le fun d'être déjà dedans, mais là, l'avoir acheté sur le sommet un matin,
Oups, OK. Regarde, à très, très, très court terme, là, serait négatif à 40, là. Mais encore là, il inverserait même pas sa tendance. Le problème, c'est parce que c'est 35, son point d'inversement de son cycle aussi. Puis il avait acheté à 46, fait que c'est ça reste quand même là, les points. Non, c'est pas ce AA-là. Ça doit être le AA sur New York, plutôt. C'est Alcoa. Il est en chute libre, comme plusieurs... titre de matériaux aujourd'hui. C'est pas encore un point d'achat, même s'il est survendu, parce qu'à la vitesse où il fonce là, avec son volume en augmentation un peu, là, puis c'est juste la mi-journée aujourd'hui, hein, il va peut-être finir avec un volume de même, donc il y a des chances d'aller se rendre à son point de stabilité de 12,80. Que faire? Achat 14,6. Hein, 14,6. OK, ici, bon. Ah là là. Regarde. Techniquement, là, déjà, il y avait un point de vente là-dessus hier. Aujourd'hui, il continue encore à descendre, mais il va se calmer à 12,80, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que rendu à 12,80, lorsqu'il redescendrait en dessous, comme 12,50, 12,40, là, la perte va être encore un peu plus grosse. L'idée, c'est que ici, quand vous l'avez acheté à 14,6, là, je sais pas trop... ça fait quand même un bon bout de temps, c'est ça, j'arrive même pas à le voir, le 14 et 6, là. Ça fait que... Mais le signal de sortie a été hier, là, sur son décrochage en dessous de son support multiple. Puis là, ben, il va juste continuer à glisser. Le marché est faible quand même aujourd'hui. Ah, ils sont pas faciles, vos questions, les amis, à répondre aujourd'hui. C'est-tu le temps pour HVU? Bon, ben si vous achetez du HVU là, c'est que vous croyez que le marché va descendre. C'est ça que ça fait HVU. Montre quand le SP500 descend, c'est-à-dire quand les nombres d'options put achetées sur le marché américain augmentent. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.